Alors, nous passons déjà à notre rubrique, la première, la deuxième, je pense, c'est la rubrique astuces avec Belvedere City. Bon, en fait, elle est là, je ne sais pas aujourd'hui, elle va nous parler de quoi. Parce qu'il y a un médecin ici, c'est apparemment compliqué, 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 compliqué. Donc, voilà. Donc, à vous. Oui, aujourd'hui, l'astuce rubrique, la courge, autrement appelée Mbika. Bah, tu vois bien, on a combo, il y a Mbika. Papa Jérémy, Mbika. Oui. Le nom de la Lingala, c'est Mbika. Pour Beverly, il y a quelqu'un qui a une astuce. Il y a quelqu'un qui a un français, il y a une nénette. Une fois, une personne m'a demandé, on a la médecine. On a un médecin. Il y a un mot, il faut que tu aies un bilo, que tu aies un terme médical. Il y a un terme. Mais sur ce, je vous amène la courge, autrement appelée Mbika. Le terme courge, au plus rarement, concourde. Donc, désigne plusieurs espèces de plantes de la famille de Cucurbitaceae, hein, c'est ça. Elles sont généralement cultivées par, pour leurs fruits comestibles. Hein. Et ben, courge en question, elles ont légumes. Vous voyez, nous. La famille Cucurbitaceae, c'est ça. Oui. Okay. Donc, nous avons l'habitude d'utiliser pépin nango. Mais normalement, courge, c'est vraiment légumes moko boy. Ça se mange aussi pour son nango pe zalaka, ni nango pe. Mais nous, on a l'habitude d'utiliser ma pépin nango wana. Donc, on a l'habitude de broyer et puis d'utiliser dans manger. Ben, moi, je vais sur l'aspect santé. Okay. Donc, sur l'aspect santé, le bienfait de la courge. Les courges sont reminéralisantes et stimulantes. Hein. Les courges renferment de nombreux minéraux, calcium, tels que cuivre, fer, magnésium, manganèse et le zinc. Et ces apports sont utiles pour stimuler le défense de l'organisme. Hein. L'organisme est en apport sanitaire, mais courge zali. Parce que bon, moi, je suis épice, mais courge mbika. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas. Mais c'est vraiment nutritif, c'est bien pour la santé, ça prévient le cancer. Et surtout, papa Jérémy, pour vous les hommes, pour la prostate. Okay. Oui. Ça crée une bonne fonctionnalité. Hein? Okay. Il y a prostate, nabino, et la, en bonne santé, et ça la bien. Et sur ce, permet de lutter contre le trouble prostatique. C'est ça que je viens de dire. Okay. Et le courge sont généralement de légumes, c'est ça, Naoutor Lobango, contribue au confort urinaire. Donc, confort urinaire et bon fonctionnement du système immunitaire. Donc, pour renforcer plutôt les systèmes immunitaire et c'est un aller pour les hommes idéal pour le bien-être alors, masculin. Alors par rapport à tout ça là, je ne sais pas, est-ce que soit ça mon libo qui échanger et perdre, bah, je ne sais pas moi, bah, comment dirais-je, et perdre moi bah comment? Moi bah nignon comme vitamine nango soit. Oui je ne sais pas où ça fait quoi en fait. Il y a la différence. Oui, il y a la différence. Et perdre à moi, vitamine, c'est un processus malembe. Oui. Mais pour un traitement rapide, oui. Il suffit juste d'utiliser quelques graines, pépins, consommable à tout le monde. C'est consommable à tout le monde et c'est recommandé. Et bien, à ma grande surprise, j'ai remarqué qu'il n'y a pas d'inconvénients. Hein, parce qu'à chaque produit, il y a toujours des inconvénients abusivement et tout. Mais courge, c'est un inconvénient de mon côté. Donc, pour de femmes enceintes, oui. Pour de femmes enceintes, des femmes qui allaitent, c'est vraiment bien pour eux. Et surtout plus pour les hommes. Ah, okay. C'est une grâce, là. Okay. Voilà, c'est la fin. Ah, aujourd'hui, t'as fini là. Oui, j'ai fini tôt aujourd'hui. Je n'ai pas voulu vous prendre trop de temps sur ça. En tout cas, c'est vraiment les week-ends. C'est le week-end, je suis de bonne humeur. Alors, pour prendre un peu du jus, j'aimerais à ce que Papa Juicé nous propose encore une autre chanson. Moi, je pense que, malgré ma stratégie à Mouna, malgré ma stratégie au Basala Kinabutu, malgré, on est vivant, on est en vie, on est en forme et tout, voilà. Maman Nadège, Mbouma, c'est parti avec cette chanson, on se retrouve bien sûr tout de suite après.